Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment mettre à jour votre Windows 10 vers les bêtas de Windows 11. Je préfère rappeler qu'il est pour le moment conseillé de faire cette manipulation sur un ordinateur secondaire ou un autre disque dur afin d'éviter toute perte de données. Si jamais un problème de ce type vous arrive, cela n'est pas de ma faute mais bien de la vôtre. Donc pour mettre à jour Windows 10 pour aller vers Windows 11, il faut installer une mise à jour de Windows 10 ou du moins être sur la toute dernière version de Windows 10. Donc pour mettre à jour à partir de Windows 10, il faut installer une mise à jour de Windows 10 que l'on peut trouver sur le site web de Windows Insider. Il suffit de se rendre à ce lien, puis de descendre sur la page afin de trouver le lien ISO. En bas de la nouvelle page, prenez la dernière version qu'il vous propose. D'ailleurs, s'il y a l'ISO de Windows 11, ce tutoriel vous sera a priori pas utile. Quoi qu'il en soit, une fois téléchargé, il suffit de double-cliquer sur l'ISO afin de l'ouvrir. Une fois dans la page, il vous suffit d'exécuter setup.exe, puis suivre toutes les instructions et installer cet ISO sous forme d'une mise à jour. Une fois redémarré et installé, ce qui peut prendre un certain temps, il suffit ensuite de vous inscrire au programme de Windows Insider. Pour cela, il faut aller dans Mise à jour et Sécurité, puis dans le programme Windows Insider. Si comme moi vous faites face à un écran noir ou blanc, il suffit d'aller dans les paramètres de confidentialité, ensuite dans Diagnostic et commentaires afin de cocher un petit peu toutes les cases. En retournant dans Programme Windows Insider, vous pourrez alors vous inscrire. Pour cela, il suffit de faire Commencer, puis se connecter à un compte en faisant Lier un compte. Il vous faudra se connecter à un compte Microsoft. Vous devrez alors choisir entre différents canaux, dont le canal développeur. Vous le choisissez, puis la fenêtre vous demandera de redémarrer votre ordinateur. Une fois redémarré, en actualisant dans Windows Update, Windows vous proposera de télécharger automatiquement la mise à jour de Windows 11. Le téléchargement et l'installation prendront un certain temps, mais si tout s'est bien passé, vous devriez retrouver toutes vos données sous Windows 11. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Ciao !